Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel essai Ford Denay Automobile. Aujourd'hui, nous partons à l'essai d'un véhicule que vous connaissez peut-être déjà, mais qui, dans cette finition ST-Line, est très intéressante. C'est le S-Max, dans une version 190 chevaux, en boîte automatique 8 rapports. Très agréable à conduire et vous allez pouvoir le vérifier avec moi tout à l'heure lors de l'essai routier. Dans un premier temps, je vais vous en faire la présentation. Donc cette finition S-Max, dans cette finition, le S-Max ST-Line est quand même très récent puisque Ford a décidé il y a un an de le faire dans cette définition. Toute la gamme Ford possède des finitions ST-Line. Il était logique que le S-Max ait sa finition également sportive. Donc on retrouve les codes stylistiques de cette finition avec des boucliers sportifs sur la partie avant, hein, avec cette aile de requin très basse qui assoit entièrement le véhicule, qui donne ce côté posé et collé à la route. Sur la partie, sur le côté, vous retrouvez un bas de caisse sport également. De magnifiques jantes alu en 19 pouces. Il faut savoir que sur cette finition, le S-Max est rabaissé de 200 mm, donc il est encore un peu plus bas que les versions classiques. Et la partie arrière a une magnifique jupe diffuseur arrière en noir laqué qui intègre parfaitement les doubles échappements qui sont sur les extrémités de la partie arrière. Donc vraiment, là, on est sur les codes d'un véhicule sportif adapté à un monospace. Alors, le S-Max avait déjà plu énormément lors de sa première version puisqu'il était très sportif dans son style. Là, on retrouve encore une allure familiale mais à la fois sportive. Donc c'est un compromis qui est vraiment sympathique pour les pères de famille qui veulent aussi se faire plaisir avec un véhicule esthétique mais également performant. Le design, en fait, à l'époque de Ford, était le design Edge Design qui donnait cet aspect, lorsque le véhicule est à l'arrêt, d'être également en mouvement. Et on retrouve encore ces lignes fuyantes que Ford faisait à cette époque et qui est encore plus renforcée avec cette finition ST-Line. Alors nous allons voir au niveau de la partie intérieure si on retrouve cet esprit sportif et cet accueil qui est propre à ce modèle. Alors pénétrons à l'intérieur de ce nouveau S-Max. Alors ce qui fait effectivement la qualité primordiale de ce type de véhicule, hein, bien sûr la mode actuelle est plutôt SUV, mais les monospaces possèdent un atout de taille. C'est le cas de le dire car c'est toujours eux qui ont le meilleur ratio entre encombrement extérieur et habitabilité intérieure. C'est ce qui a fait le succès pendant des années de ce type de configuration de véhicule. Et Ford a décidé de poursuivre l'aventure avec le S-Max, puisque notamment une version hybride actuellement est aussi disponible. La version de notre essai aujourd'hui est une diesel 190 chevaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, au niveau de l'intérieur, l'accueil est vraiment excellent. Trois sièges individuels, donc il est possible, bien entendu, de pouvoir les faire coulisser pour ajuster en fait la longueur de jambe pour ceux qui se trouvent sur la troisième rangée, donc très important, mais également de pouvoir réellement mettre par exemple trois sièges auto à l'arrière, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez une petite tablette aussi comme ceci pour améliorer le confort, une prise 12 volts, port USB et également vous avez une prise 220 volts directement sur la partie arrière, assez rare mais le véhicule en est équipé. Vous avez les vitres surteintées à l'arrière, mais vous pouvez également occulter davantage la luminosité grâce à ces pare-soleil à l'arrière qui sont enroulables et qui s'intègrent dans la porte. On va partir sur le coffre. Alors là, c'est vraiment impressionnant. Hein. Au niveau du chargement, déjà la hauteur de chargement est très basse puisque c'est un véhicule qui est bas, mais vous avez 570 litres. Lorsque vous êtes en configuration 5 places, et la configuration, si vous augmentez encore la capacité en rabattant la totalité, donc vous avez un plancher plat, et vous allez jusqu'à 2200 litres de capacité. Donc c'est une véritable soute. Hein. La troisième rangée est très facile à positionner, comme ceci, avec ses petites sangles, et elle aussi, vous pouvez les rabattre électriquement. Alors parlons un petit peu de la finition du S-Max. Très simple,
Joli contraste au niveau des matières. Ici, vous retrouvez des assises et des sièges extrêmement confortables en cuir Alcantara avec des surpiqûres rouges. Donc la signature ST-Line est toujours présente à ce niveau-là. Le magnifique volant également possède des surpiqûres rouges. Il est gainé en cuir et possède toutes les fonctionnalités liées à la conduite et au confort. La console centrale est très épurée. On retrouve une tablette qui, elle, est totalement intégrée. Et le levier de vitesse est une molette qui permet d'avoir un avantage, c'est que lorsque vous allez couper le moteur, la position parking se remet de manière automatique. Alors une fois installé à bord du S-Max, on trouve sa position de conduite tout naturellement. De très grandes surfaces vitrées qui vous permet de dominer la route, vous donne une sensation de bien-être et de confort immédiatement. Au niveau de la console centrale, je vous l'ai dit, le véhicule accueille la commande Sync 3, donc dernière génération de Ford, avec la possibilité d'avoir les réglages de votre système audio, de votre téléphonie et de votre divertissement également. La tablette en question est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, donc très, très moderne également. Au niveau de la partie conduite, alors les compteurs en fait font un mixte entre la partie numérique et analogique. Donc on retrouve des graduations au niveau de la vitesse et du contour, mais au centre, ce sont bien des écrans qui sont présents et qui vous permettent en fait à trois niveaux d'avoir ici les informations de conduite et d'autonomie, au centre la vitesse du véhicule et sur la partie, la dernière partie, vous allez retrouver un module qui reprend la consommation instantanée, la consommation moyenne et toutes les informations de conduite et d'aide à la conduite également. Donc une ergonomie simple, fonctionnelle, tout tombe naturellement sous la main. Les petites palettes derrière le volant vous permettent de dynamiser votre conduite ou de gagner du frein moteur si vous le souhaitez, selon les routes que vous allez emprunter. Nous allons maintenant passer à l'essai routier et puis pouvoir goûter une des qualités premières de ce véhicule et étonnante, c'est sa qualité de conduite et sa tenue de route. Alors bien sûr, sur route, ce qui étonne au niveau du S-Max, c'est le confort et le silence du véhicule. Il est vraiment fait pour voyager, pour emmener toute votre petite famille en balade ou en vacances. Sur l'autoroute, le confort et l'insonorisation est princière. Et les aides à la conduite veillent, puisqu'il a le système de freinage automatique, l'aide au maintien dans la voie également. Donc tous les éléments de sécurité sont là pour parfaire votre escapade. Au niveau des équipements de celui-ci, en version ST-Line, vous avez les sièges à réglage électrique, du côté passager, du côté conducteur, à mémoire du côté conducteur. Et bien sûr, ils sont chauffants, ainsi que le volant. Le volant est également chauffant et le pare-brise dégivrant sur ce véhicule qui possède le pack hiver. Vous allez également trouver un magnifique toit panoramique qui va apporter beaucoup de clarté. Il n'est pas ouvrant, mais ce n'est pas particulièrement gênant car comme le devant du véhicule est très profilé, le pare-brise est très profilé, l'ouverture est très décalée également, donc au niveau du vitrage. Ce qui est très appréciable aussi, c'est le comportement routier. On a pu prendre quelques virages à vitesse un petit peu élevée. On a pu s'apercevoir la neutralité du comportement du véhicule. Il prend aucun roulis, même à des vitesses très élevées. C'est sécurisant, mais c'est aussi plaisant. Ça permet effectivement de pouvoir adopter une conduite beaucoup plus dynamique. La direction s'adapte à votre vitesse et aux routes que vous empruntez. Elle est extrêmement douce. Aucune remontée de couple dérangeante au niveau de la direction. Et il n'est pas trop grand, donc ça vous permet effectivement de retrouver un véhicule à la fois agréable à conduire également, puisque votre position de conduite, vous pouvez même avoir une position de conduite très basse pour vous donner l'impression d'être dans une berline, si vous le souhaitez. Donc, c'est à vous de choisir. La transmission automatique boîte 8 rapports est extrêmement réactive, mais si vous voulez encore améliorer cette réactivité, il vous suffit d'appuyer au centre de la molette. Vous avez un petit bouton sport qui va vous permettre de maintenir le rapport plus longtemps et également d'améliorer la réactivité de la boîte de vitesse. Si vous voulez rétrograder puis accélérer promptement, vous allez avoir un véhicule vraiment étonnant en termes d'accélération. Les 190 chevaux arrivent tout de suite et vous donnent une consistance très 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 agréable. Dernier point très important au niveau de la conduite de ce S-Max, c'est l'amortissement. Même si vous empruntez des routes qui sont un petit peu cabossées, si je puis dire, la suspension est renforcée, mais elle reste quand même très douce, très utilisable au quotidien. Vous n'allez pas être secoué, pas de percussion. Donc on reste quand même dans un monospace confortable pour pouvoir voyager. Notre essai touche à sa fin. Nous allons nous stationner.
justement du stationnement de votre S-Max. Vous avez les, même si le véhicule fait 4,80 m de long, vous allez pouvoir avoir une caméra de recul dans l'écran principal, mais également des radars de recul tout autour du véhicule et la possibilité également d'utiliser le Park Assist pour vous permettre de vous stationner en bataille et faire un créneau aussi si vous le souhaitez. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite balade en S-Max vous a plu. Nous, en tous les cas, on s'est vraiment régalé sur la route. Il est vraiment très agréable à conduire. On a pu redécouvrir ce véhicule notamment et ses capacités routières, notamment sa tenue de route qui est exceptionnelle pour un monospace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker avec un petit pouce et puis bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos contenus vidéo. Ce véhicule est disponible à la vente à Denet Automobile Belfort, donc n'hésitez surtout pas à contacter un vendeur ou à passer directement au garage dès que vous pourrez. Et puis bien sûr, le tarif de ce S-Max est sacrifié puisque c'est un véhicule de direction, donc ça peut être une excellente opportunité pour vous et votre petite famille pour partir en vacances prochainement. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.